à la compléter. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Bon, donc bonjour à toutes et à tous. On va ouvrir cet atelier sur les évolutions du management et les impacts sur le coaching. Alors, je vais vous dire comment j'ai reçu cette demande de Pascal Cunier, qui m'a appelé en me disant « Est-ce que tu viendrais parler des évolutions du management et des impacts sur le coaching ?» Et en fait, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit et que j'ai essayé de résoudre, hein, mais de traiter depuis. La première, ça tient à l'objet même de notre échange, hein, les évolutions du management. Sans vouloir être désobligeant, hein, nous avons tous autour de cette table un certain nombre d'années de recul professionnel et c'est un thème dont on entend parler en permanence, hein, les évolutions, le management du futur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite cristallisation là, hein, aux alentours des années 2000 où beaucoup de choses sur le manager du 21e siècle, l'avènement d'un nouveau leader qui serait en rupture avec ce qu'étaient les leaders auparavant. Voilà, donc ça, c'est une première chose qui m'est venue à l'esprit, de dire, ben, c'est chouette, parce qu'on va être une vingtaine de confrères et consoeurs, et on va pouvoir se mettre en réflexion là-dessus. Alors, bien évidemment, je vais vous proposer, hein, un certain nombre d'éléments, hein, conceptuels. Et la deuxième chose, qui était de dire, mais comment faire? Parce que si tu passes 2 heures à faire une conférence sur les évolutions du management, on sort de l'exercice de l'atelier. Hein. Donc, voilà à peu près comment j'ai accueilli cette invitation. Alors, on va essayer d'éviter ces deux écueils. Le premier serait de verser dans le torrent des prédictions de rupture radicale de ce que seront les managers de demain. On va avoir des discussions peut-être animées, hein, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je vous propose rapidement en préambule, mais de dire raisonnablement dans ce que l'on voit, selon les contextes, est-ce que les managers évoluent dans tous les contextes de manière aussi évidente. Qu'est-ce que l'on peut observer? Qu'est-ce qui est en gestation? Qu'est-ce que l'on ne peut pas observer pour l'instant, mais dont on pense à tort ou à raison que ça va devenir, etc. Et ensuite, pour le deuxième écueil, ben, on va essayer de... Enfin, c'est pas, on va essayer, je vais vous proposer qu'on travaille un petit peu en petit sous-atelier à certains moments, hein, et assez rapidement au début, je vous expliquerai pourquoi. Ces choses étant dites, donc vous avez mon prénom et mon nom, Philippe Vernazobre. Donc j'ai une double activité professionnelle de manière tout à fait volontaire. Je fais du conseil à l'entreprise au sens large depuis de longues années, depuis le début des années 90, et des missions très spécifiques de coaching, équipe individuelle, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, 10-15 ans. Ça tient sans doute au fait que j'ai une formation à la fois en gestion et à la fois sur la dimension psychothérapeutique, hein, et plus clinique. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, la souffrance humaine, etc., c'est peut-être pas ce à quoi tu as envie de consacrer le reste de ta vie professionnelle. Et donc, finalement, le coaching et l'accompagnement des managers est quelque chose qui permet de faire un pont entre une posture d'accompagnement et le monde des entreprises que je connais bien. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, hein, mais ça, c'est sur la partie conseil. Et quand je vous disais double activité, j'ai également une activité d'universitaire. Je suis enseignant-chercheur, je travaille à Paris et je m'intéresse dans ma recherche précisément au développement des compétences managériales, au leadership et à l'apport du coaching sous toutes ses formes, hein, qu'il soit individuel et collectif, au développement des personnes, des acteurs sociaux, c'est-à-dire des managers, et puis des organisations. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, on aura l'occasion sans doute de faire connaissance au fur et à mesure. Je vous disais ces quelques mots parce que, en fonction des moments de l'après-midi, soit je serai plutôt en posture de coach avec vous à réfléchir, etc., et puis on s'est mis d'accord avec Pascal qui m'a dit ce serait pas mal que tu leur fasses un petit topo sur ce que disent les évolutions récentes de la recherche, que ce soit en management, en psychosociaux, etc., sur la réalité de ce manager de demain ou des évolutions managériales. Enfin, réalité, soyons prudents. Hein. Voilà, beaucoup d'entre nous se réclament du constructivisme, donc je vais essayer d'être aligné avec ça. Hein. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut voir et de quoi peut-on parler? Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement en préambule.
Est-ce qu'à ce stade-là, donc c'est plutôt juste hein, une prise de contact avec vous, une façon de vous dire rapidement qui je suis et comment j'ai reçu cette demande d'animation d'atelier. Bonjour. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des remarques ou des choses que vous voudriez dire? Bon, on verra après. Je vous propose qu'on fasse pas un grand tour de table à 25 pour que chacun se présente parce que c'est sympa, mais en même temps, ça va bon, trop empiéter. Hein, au fur et à mesure qu'on va échanger, vous pourrez dire qui vous êtes, bien évidemment. Alors, moi, quand j'entends ces choses-là, hein, je suis quand même questionné. Toujours sur cette histoire, de dire quel est l'effet de mode et quel est le décalage qu'il y a entre ce qu'on lit dans les bouquins, ce qu'on entend chez certains observateurs, y compris chez certains de nos collègues consultants, qu'est-ce que nous racontent les universitaires et qu'est-ce que nous on trouve quand on va faire nos missions sur le terrain et qu'on nous adresse des managers, souvent dans des prescriptions qui émanent des ressources humaines, avec derrière des objectifs plus ou moins centrés sur les référentiels de compétences RH. Hein, voilà. Quelle est la partie effet de mode? Quelle est la partie discours? Alors, sur le management du 21e siècle, hein, puisque ça me semble être une figure qui condense les choses, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a un livre, mais il y en a eu d'autres, qui est paru récemment, hein, de Philippe Détrier. Alors, je trouve le sous-titre éloquent. Hein. Pour lui, le manager du 21e siècle doit relever un défi d'ouverture, agilité, attention, coopération. Donc là, on a quatre mots. Hein. Je ne sais pas si vous les retiendrez dans nos échanges. Je ne sais pas vous les... Martelé. Hein. Bon, l'ouverture, ça va bien avec ce qu'on fait de mon coaching quand même. Hein. L'agilité, alors ça c'est très à la mode, hein, le concept d'agilité dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on met derrière, j'en sais rien. Hein. Est-ce que vous contribuez à coacher des managers agiles, hein, peut-être dans leur schéma cognitif, leur fluidité émotionnelle, je ne sais pas trop. L'attention, la coopération, là quand même, on est sur des choses hein, qu'on retrouve déclinées dans plein, enfin, sur tout un tas de compétences en coaching. Bien, on va en reparler, là c'est vraiment une entrée en matière. Hein, pour vous dire un peu moi, comment je me suis plongé là-dedans. Après, il y a des formations hein, qui s'intitulent « Formation à manager les personnes du 21e siècle ». Je vais arrêter là sur la litanie. Hein. Un site internet avec pas mal de ressources, hein, qui est l'entreprise globale, et qui donnait, ça a arrêté mon attention, les 15 caractéristiques du manager du 21e siècle. Je vais en égrener quelques-unes. Hein. Je ne vais pas tout vous lire pour ne pas vous fatiguer. Alors, le management de demain intégrera les idées de communauté et de citoyenneté. Alors, ça, on y reviendra. Hein, y compris dans les évolutions selon les universitaires, les théoriciens, que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc. Cette idée que le manager va être amené à avoir une attitude plus... Alors, je cite les mots qui sont dans la littérature. Hein, citoyenne, démocratique, associée des personnes, etc. Alors, ce n'est pas nouveau, mais en même temps, c'est quand même extrêmement présent aujourd'hui, en 2015, hein, ce genre de choses. Supprimer les pathologies du formalisme hiérarchique. Alors, là, c'est un peu pathologisant, hein. C'est une redondance. Hein. Bon, en tout cas, sans aller employer des termes aussi forts, le manager de demain et d'aujourd'hui évoluerait dans des structures moins hiérarchiques, mais ça, on y est habitué hein, dans nos interventions, avec la transversalité, les groupes projets, le management d'influence. En tout cas, c'est quand même une tendance. Travailler sur la confiance plutôt que sur la peur, ben, vaste boulot, hein, chers collègues et confrères et consoeurs. Hein, voilà, alors, bon, la peur... On n'est pas là pour parler du processus de coaching, mais ça fait quand même partie de ce qui constitue aussi les êtres humains. Hein? Alors, effectivement, quand une organisation génère plus de peur que de confiance, là, on peut éventuellement parler de pathologie organisationnelle, mais bon, n'employons pas le gros mot. Redéfinir la notion de la fonction de leader, ça, je vais y revenir beaucoup. La diversité des équipes, l'organisation en petites unités, ça, c'est quand même largement fait dans beaucoup de boîtes, hein, d'avoir créé des groupes ad hoc et des structures ad hoc qui soient le plus près possible des opérations, du terrain, des projets, etc. Laisser chacun participer au choix des directions. Alors, il y a un atelier animé par certains de mes chers collègues, et notamment Pascal à côté, pardon, sur l'entreprise libérée. Alors là, c'est une façon d'aller très très loin hein, dans cette idée. Bon, j'arrête. Hein. En tout cas, si vous voulez des inventaires à l'après-vert, et ce que je dis n'est pas négatif, hein, on peut trouver, vous et moi, facilement des caractéristiques dans des bouquins, dans des conférences de nos collègues, dans ce que racontent les universitaires, de ce que serait le manager du 21e siècle. Ça tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses et on va en discuter. Après, le fameux bouquin de Gary Hamel, alors lui, il est quand même radical, hein, qui prévoit la fin du management. Donc, si c'est la fin du management, c'est pas la peine qu'on soit là pendant... On va aller prendre un café. Alors là, je fais de la provoque. En fait, ce qu'il dit, c'est que ça ne va pas être la fin du management, au sens où on supprimerait, entre guillemets, hein, on pourrait se passer des managers.
Mais lui considère que finalement, l'énergie managériale ne doit pas être mise, mais ça rejoint un peu l'entreprise libérée, au moins peut-être jusqu'au boutiste, ne doit pas être mise essentiellement au service du contrôle ou des choses comme ça, et des procédures, et des process, mais justement à créer les conditions pour que l'innovation émerge, hein, l'innovation dans son porteur. Les personnes, donc là on a certaines de nos missions, hein, focaliser là-dessus, pas forcément sur l'innovation, mais libérer la créativité, autoriser une personne à être un petit peu plus audacieuse, à proposer des choses, à s'exposer, à prendre du risque, hein, parce que dès lors qu'on veut être innovant, il y a une prise de risque. Voilà, et de la même manière, Amel, qui est un universitaire et un consultant américain, un peu gourou, hein, au sens, peut-être, j'espère, noble du terme, hein, en tout cas, qu'on écoute, hein, ses bouquins sont traduits dans pleine langue, lui dit établir de la méritocratie des employés et des idées, donc entre la méritocratie et l'espèce d'avènement d'un management qui serait plus démocratique, peut-être qu'il y a des liens, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Inspirer à travers une mission et une cause qui veut noble, dans certaines boîtes il y a des causes nobles, dans d'autres moins, ou dans certaines organisations, hein, je ne sais pas trop. Fournir du temps et des outils pour que les gens bricolent, ça on pourra en discuter aussi, hein. Est-ce qu'on a mis en place, et sans doute dans certaines des organisations tellement bureaucratiques, avec procédurales, etc., qu'il n'y a plus de place pour l'expérimentation et le bricolage au sens noble, hein, qui peut faire émerger de l'innovation, qu'elle soit managériale ou autre. Exploiter la sagesse collective pour prendre les meilleures décisions. Je fais un peu le pitre, hein. Oui, c'est un poncif, hein, qui circule dans les entreprises en disant si nos chers dirigeants là-haut écoutaient le bon sens de la base, etc., on pourrait éviter les bêtises, et c'est sans doute vrai. Après, voilà, tout ça, c'est comment on le met en œuvre et comment ça peut fonctionner. Bon, déstructurer les processus. Voilà, je ne vais pas vous noyer. C'était juste une introduction. Donc oui, ce sur quoi Pascal a suggéré que l'on réfléchisse, et moi j'ai bien accepté sa proposition, bien évidemment, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles, beaucoup d'écrits. Ça se rejoint en partie, ça se rejoint pas en partie. Même dans les entreprises, il y a des RH qui sont convaincus, qu'il faut faire bouger le management dans telle ou telle direction, et je n'en dis pas trop pour l'instant. Mais est-ce que, malgré leur bonne volonté, leur enthousiasme, etc., ça se traduit dans les faits ? Voilà un peu pour établir, hein, enfin, un petit peu le champ dont on va discuter tous ensemble. Et puis, qu'est-ce que nous, on fait là-dedans ? Hein, quand je dis nous, les coachs. Hein, voilà. Hein, jusqu'où on va, jusqu'où on ne va pas. Tout ça, c'est les choses sur lesquelles on aura... Excusez-moi, l'occasion de changer. Alors, pour commencer l'après-midi, je vais vous mettre en petit groupe. On va essayer de timer ça pour que ce soit gérable. On a jusqu'à 15h30, hein, je ne dis pas de bêtises. Je vais vous mettre en petit groupe pour que vous commenciez déjà à mettre sur du papier ou sur des feuilles, vous, hein, par petit groupe de 6, 7 ou 8, quelles sont les évolutions que vous voyez. On mettra ça en commun. Et ensuite, je vous ai préparé une présentation plus structurée pour vous dire ce que dit la littérature, ce que vous voyez. Et on terminera l'après-midi par une discussion ouverte. Hein. Alors, si on arrive en un groupe comme ça, c'est mieux pour des questions de timing. Sinon, je vous aurais bien mis en petit open market ou open space, en petit groupe, en tournant, etc. Mais je suis pas sûr qu'en 2 heures, on ait le temps de faire ça. Hein. Donc, on va bricoler, nous aussi, hein, et essayer de pouvoir échanger et j'espère débattre autour de ça. Donc, encore quelques slides pour le temps, et je n'en ai pas fait défiler, hein, pour brosser un peu le tableau, et puis je vous laisse cogiter. Des remarques à ce stade-là, des suggestions Alors, petit fil rouge. Bon, là, sur le mur marron, ça va pas être top, mais je vous lirai. Les prescriptions de coaching visent principalement le développement managérial. Là, j'ai pris un raccourci, hein. Je parle de coaching individuel. Il y a des missions vraiment positionnées là-dessus, développer tel type de compétences sur un haut potentiel qui prend un poste, etc. Parfois, on est moins dans le développement et un peu plus dans la résolution, hein, si on reprend les catégories d'Olivier de Villard. Mais néanmoins, même quand il y a un problème de résolution parce que quelqu'un connaît une situation difficile, ce qu'on demande, pas uniquement au coaching, hein, mais c'est de contribuer quelque part à aider la personne à se remettre dans une posture managériale qui soit acceptable pour elle. On n'est pas là pour fabriquer des clones, j'espère. Mais en tout cas, on travaille vraiment sur le développement des managers. Et donc, ce que j'ai noté, mais que vous ne pouvez pas lire, hélas, je vais le lire. Hein. Quel manager demande-t-on au coach de contribuer à produire, hein? Donc ça peut être une porte d'entrée à notre réflexion.
Je vous ai dit, il y a la littérature, il y a ce que racontent les consultants, et puis il y a ce que nous on voit, hein, donc à travers les contrats de coaching prescrit que l'on conclut dans les entreprises, que nous demande-t-on, hein, et ça, ça peut être une porte d'entrée extrêmement intéressante quand vous allez discuter entre vous, pour essayer de mettre en évidence des caractéristiques de ce que pourrait être le manager de demain, autrement qu'en partant de la littérature, mais en écoutant ce qu'on nous dit, enfin ce qu'on nous demande. Parce que là, c'est un élément de réalité, me semble-t-il. Hein. Les entreprises mettent de l'argent là-dessus. Alors, les objectifs sont souvent exprimés explicitement ou non, en termes de capacité managériale, assez redondant, et de leadership. Alors, quand on a discuté de cet atelier avec Pascal, on a discuté de cette distinction manager-leader, et puis, finalement, j'ai décidé qu'on allait, si je n'ai mélangé, on va bien distinguer les deux, mais en tout cas, traiter les deux de front, hein, parce que finalement, ce que l'on voit, notamment dans la littérature, c'est que le leader est un manager qui aurait quelque chose de différent ou de plus, qui aurait plus développé certaines capacités. On ne va pas rentrer dans ces trucs qui intéressent que les chercheurs et qui sont un peu chiants, pour parler clair, de découper les cheveux en quatre. Hein. Parfois, on parle de manager, parfois de leader. Par contre, dans ce que je vous dirais, j'essaierai de bien préciser, telle étude que je vous présente concerne des managers, dont certains peuvent être leaders, et telle étude concerne le leadership, mais on va... Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, bon, j'en avais noté quelques-uns. Hein, les objectifs que je mets dans cette catégorie, vous les connaissez. Hein, chaque fois qu'on a des coachings de type prendre sa place dans un codir, prendre sa place dans une équipe, ben, c'est quand même un peu de ça dont on parle. Hein. Voilà, pas forcément le leader, on reparlera du leadership au sens écraser tout le monde, hein, mais bien évidemment, trouver sa place dans l'objectif. Passer d'une posture opérationnelle à une posture stratégique, hein, sur des personnes qui sont à des moments de leur carrière où on leur dit qu'il faut maintenant que vous montiez la barre, hein, et que vous soyez moins dans le technique, entre guillemets. Développer des compétences politiques et stratégiques, on a souvent ça en coaching. Aider, alors là c'est peut-être plus pour des dirigeants ou des cadres supérieurs, aider à développer une vision et à donner du sens. Alors, cette question du sens, elle est quand même très, très présente. Et vous le constatez, j'imagine, hein, on en discutera dans vos missions, dans des grandes entreprises où les centres de décision sont parfois éloignés, on demande à des managers locaux de donner du sens pour leurs troupes, alors qu'eux ne savent même pas voilà, ce qui peut se passer ailleurs. Ah, et donc, le manager devrait être une espèce de magicien, et nous... des fins limiers qui avons la capacité à l'aider à trouver du sens où il n'y en a pas toujours, où il n'est pas perceptible. Alors parfois, on peut faire travailler un manager sur le fait de donner du sens, hein, à son action et à celle des autres. Hein. Mais voilà, tout ça à prendre quand même avec précaution. Je ne vais pas vous lire tout ce que j'avais relevé. Développer des capacités d'influence, ça c'est plutôt pour le transversal. Développer son intelligence émotionnelle, les relationnels. On verra que les dernières études sur le leadership intègrent énormément l'intelligence émotionnelle. Hein, donc voilà pourquoi je fais ce lien entre manager ou management et leadership. Alors, le leadership semble condenser le type de management souhaitable, voire désirable. Ça, c'est une interprétation. Hein. En tout cas, j'avais fait une étude, c'est récent, je montrerai quelques éléments. J'avais vraiment pris des référentiels de compétences pour les cadres supérieurs et dirigeants de grandes boîtes. Et j'avais comparé ça à la littérature américaine sur leadership. Et en fait, bien parle de compétences managériales, chacun de ces référentiels dressait l'espèce d'idéal type quasi inatteignable du surhomme ou de la surfemme qui est capable à la fois de rassurer, guider dans l'avenir, mais mettre la pression quand même pour qu'il y ait de la performance, donner du sens, voilà. Et on appelle ça leader. Alors après, quand on voit comment ils sont faits, et j'espère blesser personne ici, mais ces fameux référentiels de compétences sont largement commercialisés par une entreprise, entre autres, hein, mais c'est sans doute une des plus importantes, qui est A Consulting, dans laquelle travaillent aux États-Unis les mêmes universitaires qui pondent des articles dans les revues universitaires sur la psychosocio, etc., appliquée aux caractéristiques des managers. Enfin, finalement, c'est un système qui boucle. Et en fait, parfois on se marre quand on va en entreprise parce qu'il y a un DRH qui dit « Oh là là, voyez, nous on a une super référentielle de compétences managériales et de leadership qui a été faite exprès pour nous, hein, c'est vraiment ancré dans notre culture, etc. » Et puis trois jours après, vous avez rendez-vous avec un DRH dans une boîte qui n'a rien à voir, qui est peut-être passé par le même fournisseur et qui vous dit « Vous avez vu, il ne faut pas en parler, c'est confidentiel, mais on a la super, super référentielle de compétences qui s'ancre dans notre culture, etc. » Voilà, donc ça, je vous le dis aussi sous forme de boutade parce que ça fait quand même partie de ça rentre dans le cadre du sujet qu'on traite cet après-midi, qui est de dire, finalement, si un nombre limité de cabinets de consulting influents au niveau international, etc., nous font le portrait robot
de ce que devrait être le leader dans l'absolu et le manager de demain, nous, ça, à mon sens, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Hein, voilà, est-ce que l'accompagnement a pour objectif de faire rentrer le plus possible le pied de chaque personne dans cette chaussure-là, est-ce que ça a du sens pour tout le monde, etc. Et c'est des questions que vous vous posez. Hein. Mais bon, on est ici, bien sûr, pour échanger là-dessus. Et donc, ça, je vous l'ai dit, on va naviguer entre les deux. Alors, ces choses-là étant posées, très rapidement, hein, ça, c'est juste avant que vous mettiez un petit groupe pour réfléchir, comme ça, ça j'espère, à travers ça, vous mettre un petit peu en réflexion, un petit échauffement après la pause café, le déjeuner. Premier article sur le management et le leadership, puisque j'ai choisi cet angle d'attaque, c'est un article d'un universitaire américain, Zalesnik, qui est sorti à la fin des années 70, et je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il dit, je pense que ça va vous interpeller, et qui posait la question suivante, est-ce que les managers et les leaders sont différents ? Hein ? Et là, quand même, on voit émerger des choses qui nous, coachs, peuvent nous interpeller, déjà, dans ce que disait ce cher Monsieur Zalesnik dans les années 70. Après, celle-ci, je l'ai laissée en anglais parce qu'en français, elle ne donne pas la même chose. Je la trouve intéressante. Donc ça, c'est sorti d'un bouquin. Hein, et on voit apparaître déjà le fait que les leaders auraient quelque chose de plus. Hein, puisqu'ils font bien les choses. Hein, les managers, pardon, font bien les choses. Par contre, les leaders font les bonnes choses. Hein, alors, voilà, marche bien en anglais. On n'a pas le même mot en français. Mais il y aurait le fait que, les leaders sentent ce qu'il faut faire et ne se contentent pas de faire bien ce qu'on leur demande ou ce qu'ils veulent faire. Donc là, il y en a des tonnes comme ça, hein, mais j'ai juste pris c'est le titre de cet article et cette citation. Dans les années 70-80, il y avait quand même une distinction. On avait les managers d'un côté, qui étaient plutôt, on va le voir avec Zalesnik, des exécutants de la rationalité, hein, hérités de l'organisation scientifique, etc., et puis les leaders qui étaient quand même un peu ailleurs hein, et qui avaient une autre dimension puisqu'ils savaient quelle était la bonne chose qu'il fallait faire. Hein. Alors après, deuxième salve, hein, qui est un peu démonté la deuxième, et ça on s'en servira tout à l'heure pour voir comment on peut penser les évolutions du management et du leadership. Dans les années 2000, alors celui-là était de 97, mais peu importe, on a vu apparaître un mouvement où là c'était différent. On ne disait plus que les leaders n'étaient pas des gens exceptionnels, mais on disait qu'il en faut partout. Hein? En gros, du boulot pour nous. Hein? Si tant est qu'il y ait une dichotomie entre les deux, moi je ne suis pas convaincu, hein? Mais s'il y avait une dichotomie et qu'il faille transformer tous les managers en leaders, vous vous rendez compte, les missions de coaching individuelles qu'on va avoir pendant des années, ce serait absolument extraordinaire. Hein? Mais en même temps, si tout le monde devient leader, il n'y a plus de leader. Enfin voilà, hein? Finalement, on va dire qu'il y a du leadership toujours, même si ce n'est pas une comparaison au sens psychologiquement nocif. Hein? Mais voilà, on dit quelqu'un a du talent ou du leadership en comparaison, quand on fait des people review et compagnie, à ce que délivre la moyenne de ses collègues. Bon, en tout cas, il y a cette espèce d'appel. Et alors, en France, l'incontournable Monsieur Peretti, hein, professeur de RH, très prolixe en termes de production, a sorti un bouquin, bon, dans l'air du vent, c'était en 2011, bon, un petit peu en décalage avec le premier, mais il ne parle pas de la même chose. Tous leaders. Alors là, vous vous rendez compte un peu l'injonction terrible, hein, parmi nos clients, on en a, hein, je suis sûr que vous en avez aussi, qui disent, mais moi, ils me font suer, je suis bien dans ce que je fais, j'ai envie de le faire bien, et puis j'ai pas envie de devenir le leader, visionnaire, machin, etc., on me fout la pression, mais moi, ce que je demande, c'est que vous m'aidiez à faire bien mon boulot, à créer une atmosphère de travail acceptable et sympa, et qu'on me harcèle pas du matin au soir avec les résultats et les forecasts et compagnie. Là aussi, je caricature un peu. En tout cas, pour moi, ça, c'est pas innocent. Hein. C'est-à-dire, quand je me suis dit, quel est le manager de demain ? C'est en gros la question. Et bien évidemment, j'ai pas de réponse. Hein. Pas plus que vous, je pense. On voit des évolutions, mais c'est tout. Donc, je me suis dit, quand même, pendant une vingtaine d'années, là, on distinguait bien les deux. Il y avait les managers et les leaders. Et maintenant, tout le monde recevrait une injonction à développer son leadership. Alors, encore une fois, si ça fait des missions pour les coachs, c'est peut-être pas non plus très écologique au sens psychologique et professionnel pour des personnes qui ne se reconnaissent pas en termes identitaires dans cette figure de leader hein, et qui n'ont pas envie de faire des pieds et des mains pour rentrer dans l'archétype. Hein. Alors, juste deux petites slides, après je vous laisse bosser. Le fameux Zalesnik, quand même, ce type, alors
Moi, je n'avais pas lu ça depuis des années, et puis j'ai exhumé cet article il y a quelque temps, et quand je le relis à l'aune de ce qu'on fait en coaching, je trouve ça quand même assez intéressant. Voilà comment il considère les managers. Je vous laisse apprécier. Donc, gestionnaire de processus, rationalité, stabilité, contrôle, résoudre rapidement sans forcément comprendre. Et entre en relation avec des gens par rapport à leur rôle dans un processus. Là, c'est dit à l'américaine, mais en gros, c'est par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à la boîte. Et, bref, l'intérêt, quelque part, utilitariste que vous pouvez avoir. Alors, les leaders, c'est en 77, c'est quand même intéressant, hein. Bon communicant, centré sur la vision, la mobilisation et l'innovation. Donc, M. Hamel, quand il dit qu'il faut déconstruire le management pour laisser disparaître l'innovation, c'est pas... Tolère le chaos. On a quand même aujourd'hui, dans le leader de demain, beaucoup de choses autour de manager dans la complexité, raisonner sur des circularités plus linéaires ou plus floues, enfin des... excusez-moi... des causalités moins linéaires et plus circulaires et floues, être en relation avec les gens de manière intuitive, quand même beaucoup de choses aujourd'hui sur le management intuitif, sur l'intelligence émotionnelle, plus proche des artistes ou des scientifiques, voilà, avec ce petit grain de folie, de vision, et là je trouve quand même intéressant, parfois quand on va rechercher des vieux textes, on a des surprises, ce qu'on nous présente aujourd'hui, ça c'est en gros... c'est pas écrit comme ça, mais c'est pendant beaucoup de contrats de développement de leadership ou de développement de compétences sur des cadres aujourd'hui. Et puis en 77, on en parlait déjà un petit peu. En tout cas, certaines personnes en parlaient. Alors, par contre, aujourd'hui, mais ça, on le verra tout à l'heure, la grande nouveauté, c'est que ça, c'est devenu un peu l'archétype. Et des managers de ce type-là, qui avaient du sens peut-être dans des organisations extrêmement processuelles, etc., je ne pense pas qu'on nous prescrive un coaching pour essayer de renforcer ce genre de comportement ou d'attitude. Mais bon, pourquoi pas. Dernier point, et après, vous vous mettez en petit groupe, si ça vous convient, bien évidemment. Sinon, je peux continuer à vous faire défiler des slides, mais ce qui est intéressant, c'est quand même l'échange. Bien évidemment, tout ça, ce n'est pas un bus qui s'est levé un matin et qui a dit « il va falloir qu'on ait un management plus ouvert, plus centré sur l'humain, machin, etc. » Il y a quand même des réalités, ça on ne peut pas le nier. Quand vous avez des organisations transversales et par projet, c'est général, vous avez des personnes qui vont devoir faire travailler des individus qui sont dans des équipes de rattachement différentes, avec des cultures différentes, ils n'ont pas un pouvoir formel sur eux, donc ils vont utiliser des capacités d'influence. Bien évidemment, tout ça, ça joue. Le fonctionnement en réseau, ça se recoupe un peu, le management de la distance. Les notions de complexité, d'agilité, de réactivité, c'est pas que du... c'est pas que du vent, Alors, il y a beaucoup de mousse autour de ça, mais dans le fait que dans les entreprises et en dehors, les choses se répercutent très vite, s'il y a une erreur managériale, s'il y a un manquement, tout ce qui peut concerner aujourd'hui toutes les alertes qu'on peut avoir, tout à l'heure je parlais des RPS, auprès des RH, auprès des CHSCT, etc. Donc, le manager évolue dans un système qui est beaucoup plus complexe. Je vais caricaturer, mais l'idée de dire moi je suis manager, donc je prends les ordres qui viennent du dessus, je les répercute, je fais exécuter, puis je rends compte à la hiérarchie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce qu'il y a encore des systèmes de reporting hyper costauds, budgétaires et autres, ça n'a pas disparu, ça a pris notre forme, mais en tout cas, voilà. Excusez-moi, alors situé dans une réalité organisationnelle beaucoup plus floue. Et donc, là je ne suis pas en train de vous brosser le manager de demain, puisque c'est justement là-dessus que je vais vous brancher tout de suite. Mais besoin accru d'ajustement, la coordination passe par la coopération au-delà des règles formelles, puisque plus vous travaillez en réseau et en mode projet, moins vous avez des règles et des procédures qui peuvent tout prévoir. Et donc, à un moment donné, la capacité de personnes qui ne vont pas forcément s'apprécier au sens interpersonnel, mais en tout cas, à un moment donné, on va être ensemble, il va falloir que ce qu'on se dise soit suffisamment explicite, qu'il y ait suffisamment d'ouverture à ce moment-là de communication pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et tout, bon, ça c'est une conclusion, capacité relationnelle, etc., deviennent centrales. Donc, à ce stade-là,
J'en ai fini avec cette petite introduction qui était une façon et de prendre contact et de vous plonger dans le bain des questionnements. Ce que j'ai envie de faire, si vous en êtes d'accord, c'est que vous vous répartissiez, alors on m'a annoncé entre 20 et 25 personnes, ça pourrait faire 3 groupes de 7-8 hein, globalement, en petits groupes, que vous preniez une feuille de paper et que dans chacun des groupes, vous fassiez une mind map. Hein, vous êtes à l'aise avec ces outils, j'imagine, ou... Qui est-ce qui, parmi vous... on va mettre les personnes à l'aise dans les différents groupes. Comme ça, si des confrères ou consoeurs ont moins utilisé, vous allez les embarquer dans le process. Ça vous va, hein? Je ne sais pas, il faut faire un laïus à vous sur la mind map. Hein? Bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille. Donc, il y en aura 3, 4 selon le nombre de groupes, que vous vous mettiez autour de la table, que vous fassiez une mind map en reprenant à l'esprit ce qu'il y avait sur la première slide, hein, c'est-à-dire le manager de demain. Enfin, c'était pas quoi... Les évolutions du management, voilà, hein, et que vous mettiez à plat vos représentations. Je ne sais pas si ce sera facile, mais à la limite, si vous y arrivez, prenez un quart d'heure, 20 minutes pour faire ça, et en fonction de l'heure, on verra comment on l'exploite. Soit on fait vraiment quelque chose de sérieux, de type open space, où vous nous restituez directement les 3 mind maps. Ça risque de se passer comme ça, pour qu'après, on ait un temps, que je puisse vous faire les petits apports conceptuels que je vais vous faire, et qu'on ait un temps à la fin de débat et d'échange. Donc, je vais vous donner des feutres, pousser les tables, prenez 3 feuilles pour l'instant, vous allez voir si en vous mettant à 7-8, ça te marche. Et ce qui m'intéresserait, c'est que dans vos productions, alors peut-être avec des codes couleurs, vous allez, il y a des feuilles de différentes couleurs, vous allez faire preuve de créativité. Après, on a travaillé en réseau, en partenariat, développer la coopération. Apparemment, finalement, il faut apporter la satisfaction quand on a donné les résultats. Et puis, cette notion d'innovation, de créativité aussi, qui me semble apparaître aujourd'hui des attendus d'un manager. Et puis, cette capacité à sortir de la boîte, à sortir du cadre aussi, beaucoup d'informations. On attend beaucoup, et aussi des choses un peu par rapport à ça. Merci. Alors, on va embrayer rapidement. Je vais rebondir sur la dernière remarque, il n'était pas dénué d'humour, un manager parfait. Et comme on fait appel à nous pour accompagner ces managers dans leurs évolutions à eux, nous serions des agents au service de l'émergence de managers parfaits. Hein, donc j'espère que vous mesurez le poids de la responsabilité. Alors, cette plaisanterie, mais qui en même temps véhicule des vraies questions pour nous, hein, jusqu'où aller, on va essayer de garder un petit temps d'échange à la fin là-dessus, hein, jusqu'à être au service de cette espèce d'idéal type du manager, hein, je ne vais pas dire de gros mots, hein, mais bon, si ça va percuter avec des gens qui sont dans un idéal d'eux-mêmes, hein, pour ne pas employer le concept plus précis, ça peut aussi faire des dégâts, donc tout ça, on va essayer d'en faire des dégâts. En tout cas, questionner, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et finalement, ben, j'ai plus grand chose à vous dire parce que je vais vous présenter ce que disent les universitaires, hein, globalement. Donc, le mind map, on l'a fait. Éclairage académique, et vous allez vous rendre compte que, entre notre propos d'introduction de tout à l'heure et vos cogitations, alors, vous le présentez de manière plus vivante et professionnelle, puis je vous ai suggéré un outil après le déjeuner qui était de nature à vous mettre à l'énergie. Les écrits universitaires font ça de manière plus carrée, entre guillemets, hein. Mais vous allez voir que ça se recoupe très très largement. Alors j'ai fait des petites bulles, hein, sur ma feuille, et puis je ferai des parallèles entre ce que dit la littérature et ce que vous avez produit. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous faire une revue de littérature là-dessus parce qu'il faudrait des journées. J'ai choisi juste deux axes. L'approche par les fonctions. Donc ça, c'est un travail plutôt de gestionnaire, approche managériale. Et j'ai pris une recherche qui a été faite par deux chercheurs de Caen cette année, hein, qui a été publiée cette année, et qui s'intitule, je vous ai mis les références en bas, « Manager un métier en mutation ». Donc là, on est bien dans ce dont on parle, hein, et vous allez voir qu'il ne ressort pas de choses tout à fait révolutionnaires. Et après, à côté de cette approche très gestionnaire ou très centrée sur les fonctions et les métiers, ça c'est un peu mon dada, hein. Donc j'ai choisi de vous en présenter une deuxième qui est plus psychosocio et moins métier et qui est plutôt une approche par les compétences et les rôles, hein. Voilà, au-delà des fonctions, quelles fonctions je remplis, quel rôle on me fait jouer, quelles compétences on me demande de développer, et on est dans une approche plus psychosociologique.
Mais là, je me suis basé sur des travaux que j'ai pu faire récemment là-dessus. Alors, je vais vous présenter les deux. L'approche par les missions et les fonctions. Alors, là, j'ai fait un choix. J'espère qu'il sera acceptable. Plutôt que de vous résumer l'article, etc., on y aurait passé des heures. Il y a deux tableaux dans cet article qui me paraissent quand même assez éclairants. Je vais les afficher. Je ne suis pas sûr que vous puissiez tout lire, mais à la limite, je vous ferai passer via la SFC quelques slides pour que vous les ayez. Et par contre, je trouve qu'ils se sont livrés, les deux personnes, là, à quelque chose d'intéressant. La première slide que je vais vous montrer, ils ont fait de la prospective métier, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué une méthodologie. Et ils se sont dit, donc c'est tout récent, ça a été publié cette année, dans les années à venir, quelles sont les figures du manager que l'on pourrait voir émerger. Et vous allez voir que dans ce qu'ils prévoient, c'est pas prédictif, ce sont des scénarios, quels pourraient être les différents scénarios d'évolution des fonctions managériales. Il y en a qui sont dans l'archétype du leadership qu'on a vu tout à l'heure et qui correspondent déjà aux travaux de Zalesnik dans les années 70. Et puis, il y a des figures beaucoup plus contemporaines, notamment autour du numérique. Et puis, j'essaierai de vous dire, si ce n'est pas lisible, parce que je crains que ce soit tout trop petit, quelques éléments, et on pourra faire le lien avec le coaching. Alors, pour eux, avec leur travail sur les scénarios, ils voient l'avènement possible, ce sont c'est une approche par scénario, de cinq figures du manager. Le manager stratège, donc là on est dans la figure du leader, on va en discuter. Le manager hyper spécialiste et technique. Je ne sais pas si ce manager-là, il est beaucoup l'objet de prescriptions de coaching, sauf s'il détient un savoir-faire ou une scientificité absolument indispensable à l'entreprise, qu'on ait besoin de le garder et qu'on veuille l'aider à un moment donné, mais là peut-être sur de la résolution ou du développement. Le manager 2.0, donc ça c'est vraiment une figure émergente. Nous on a du boulot, là-dessus en coaching, parce que vous allez voir un peu comment ils travaillent. Que peut-on nous apporter comme type d'accompagnement à ce genre de manager? Le manager de projet, alors on a déjà des managers de projet dans les prescriptions de coaching. Je pense que pour le manager hyper spécialiste et le manager de projet, ils peuvent être l'objet de prescriptions parce qu'ils jouent un rôle quand même clé dans le fait qu'un projet aboutisse, qu'une technologie ou un processus soit maîtrisé. Et le manager mature. Alors le manager mature, quand on lit ça, le mot mature, je ne sais pas pourquoi mes chers collègues ont choisi ce mot, en tout cas, il condense tous les fantasmes de ce que pourrait être. Tout à l'heure, je vous parlais de Superman ou Superwoman en plaisantant un petit peu. Mais là, on a vraiment le héros dans toutes ses dimensions, quasiment. Voilà. Alors, le stratège, quelques mots. Vous arrêtez à lire Oui. Alors, on peut piquer des mots, puis je vous l'enverrai. Donc, il est charismatique. Alors, celui-ci, c'est un chef d'orchestre et metteur en scène. Donc là, on est dans l'envolée lyrique, quasiment, et la référence à l'art. Vous voyez que tout à l'heure, Zalesnik disait que les vrais leaders étaient plus proches des artistes que des managers. Et on retrouve ça. Alors, les managers de projet et les hyper techniques, ils sont spécialistes, gestionnaires opérationnels, méthodiques, rigoureux. Mais on a besoin aussi de ces personnes pour faire tourner des processus opérationnels. Et le manager 2.0, quand je lisais cet article, et j'en ai discuté avec des auteurs, moi, il me paraît un peu extraterrestre. C'est peut-être pas ma génération, sans doute. Coordinateur, superviseur sur les activités geek. Il coordonne des équipes et catégorie géographiquement, ça on peut bien l'admettre. Et beaucoup sur les outils collaboratifs. Comment peut-on faire pour qu'il y ait une forme d'intelligence collective et de communauté de travail et de pratique à distance? Ça, ce sont des vraies réalités. Et alors, après, sur la partie, gestion des hommes, peut-être un focus. Alors là, par contre, le manager mature, c'est du participatif, mais non complaisant. Il fixe des objectifs, il donne des objectifs en termes d'évolution de compétences, professionnalisme, exemplarité. Le manager stratège, on est plutôt sur le leader charismatique traditionnel, enfin au sens où on le voit d'habitude. Et puis, les deux, là, projet et technique, des process. Mais en même temps, si un manager de projet n'était pas capable de déployer des process extrêmement rigoureux, il ne répondrait pas aux attentes de l'entreprise. Et parfois, on a ça dans les demandes de coaching. Finalement, cette personne, elle est un petit peu renfermée. Il faudrait qu'elle développe des capacités de communication, des capacités relationnelles. Mais en même temps, elle fait bien le job. Alors voilà, après, c'est la question du mouton à cinq pattes au bout d'un moment. Et de dire finalement où est le problème. Est-ce que le problème vient du fait que cette personne, dans une de ses attributions,
a du mal à remplir ses fonctions, ou est-ce qu'elle vient du fait que la personne ne rentre pas dans le beau référentiel que vous avez au point et consulting et dans lequel vous voulez faire rentrer tout le monde? Voilà, je me dis aussi un peu brut de décoffrage, mais c'est des vraies questions que nous avons, nous, en tant qu'accompagnants, chaque fois qu'on reçoit des demandes. Et là, ce que je trouve intéressant dans leur travail, c'est que on n'est pas dans l'uniformité. Ils ne disent pas le manager de demain, ce sera ça. Ils disent qu'il y aura différents types de managers qui vont continuer à exister. On voit des figures qu'on connaît comme le stratège, on voit émerger une espèce de super-héros, là. Mais le manager 2.0, c'est une figure qu'on connaît moins. Et après, si on prend les modes de gestion anglo-saxons des ressources humaines, on assume aussi d'avoir des personnes auxquelles on tient parce qu'elles sont importantes professionnellement. C'est pas de l'affectivité, mais c'est pas ce dont je parle. Tout simplement parce qu'elles sont détentrices d'une technicité qui fait ce qu'est l'entreprise. Donc voilà pour ces premiers types de travaux que nous avons sur les évolutions du management. Le deuxième, je trouve, est un petit peu plus peut-être tiré par les cheveux, mais en tout cas, ils sont livrés à un exercice qui me paraît déjà intéressant en soi. Là, on est un peu plus convenu dans ce qu'on trouve dans les sciences, entre guillemets, du management. Ils ont essayé de faire le portrait robot du manager d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, le manager d'hier, vous avez étudié ça dans vos formations initiales ou vos études de coaching. Là, on est en plein dans l'archétype de ce que proposait l'organisation scientifique du travail, en gros, ou l'école classique mécaniste, en théorie des organisations. Donc, on l'appelait le chef, il donne des ordres, il encadre, il administre. On retrouve les principes de Fayol. Administrer, c'est prévoir, organiser, etc. Aujourd'hui, prenons ça encore une fois, c'est un niveau de terre, on serait beaucoup plus, alors on l'appellerait pas forcément chef, mais manager cadre. Il définirait la mission de l'organisation, fixerait les objectifs, organiserait le travail. Alors, la dimension sur les compétences me paraît intéressante. Dans Manager d'hier, on était sur des compétences techniques. Là, on va sur des compétences techniques et comportementales. Et ça a sans doute à voir avec l'apparition du coaching. On a quand même, dans les demandes qu'on reçoit, beaucoup de demandes de développement comportemental. Et puis tout à l'heure, on disait que par rapport au contexte, à l'évolution des contextes organisationnels, la manière d'être à l'autre et de se comporter devient une vraie compétence. Avec toutes les questions, on pourra, si on a un peu de temps, en parler, un petit peu éthique que ça pose, jusqu'où ma manière d'être à l'autre peut être considérée comme un actif et un outil de travail, puisque finalement, les gens de DRH évaluent ce genre de choses et il y a des décisions RH derrière qui sont prises. Et après, nous, toujours les accompagnants et les coachs, jusqu'où on rentre dans ces processus, Et là, le manager de demain, c'est pas que des mots autour de la complexité, il faudrait qu'il y ait des compétences systémiques. Ça va faire plaisir aux systémiciens qui sont parmi nous. Mais en tout cas, cette capacité à embrasser la complexité, à ne pas raisonner que sur des causalités linéaires, à admettre qu'une action va avoir des effets qu'on ne peut pas toujours prévoir, qu'on est dans des boucles d'interaction qu'on alimente, et dont on est responsable également. Et tout un tas de choses intéressantes autour de ça, avec un environnement complexe urbain et digitalisé. Et vous retrouvez dans le manager de demain la petite typologie de tout à l'heure. Donc finalement, si je regarde ce qui est un peu là, donc piloter, animer, accompagner, les fonctions, animer ses collaborateurs, les impliquer. Là, tout à l'heure, vous parlez de la figure du manager coach, je pense qu'on est là-dedans. La systémie et la capacité à faire face à la complexité. Donc vous voyez que ces deux personnes, quand elles sont allées faire cette étude, elles sont allées interviewer des gens sur le terrain, enfin je ne vais pas vous parler de leur méthodologie, mais il y a un gros travail derrière, et finalement, elles remontent des choses, quand on prend le manager de demain, qui peuvent rencontrer ce qu'on a aussi dans les discours ambiants, et qui se regroupent avec ce que vous avez dit. Et notamment sur le manager 2.0, la montée d'un manager qui serait plus digital, enfin plus culture digitale, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué à ce stade-là, où on aura peut-être un échange plus ouvert, je vous montre quelques slides complémentaires. Donc ça, c'est un premier angle d'attaque qu'on peut avoir quand on veut répondre à la question « le management de demain », c'est d'y aller par les fonctions, les métiers, qu'est-ce qu'ils vont remplir comme rôle, comme fonction, pardon, et comme mission. Deuxième approche, l'approche par les compétences et les rôles. Alors là, j'ai décidé de vous faire faire un petit détour par les théories, entre guillemets, du leadership. Et pareil, toujours en montrant des évolutions. C'est pas parler de théorie pour parler de théorie, mais toujours avec cette idée, le manager de demain. Alors,
les évolutions de cette littérature, bon, ça on l'a posé tout à l'heure, j'y reviens pas. Hein. Donc en 77, on a commencé à se poser cette question, est-ce qu'il y aurait des managers qui auraient quelque chose de différent, voire de plus que les autres, qu'on pourrait qualifier de leader? Quand on voit les évolutions, et ça je vous montrer, j'aurai encore deux slides là-dessus pour vous l'expliquer, enfin vous le montrer un peu plus précisément, on voit quand même, ça c'est hyper hyper clair, évoluer les théories du leadership, d'une vision héroïque du manager qui serait un surhomme, à un manager qui serait beaucoup plus humain, à un leader, pardon, qui serait beaucoup plus humain et émotionnel. Hein. Alors bien évidemment, dans la plupart des écrits, c'est toujours dans une approche utilitariste. Hein. Il est plus humain et émotionnel parce que c'est plus efficace. Hein, donc, n'oublions pas la visée. Hein. Parfois, on peut se laisser aller à imaginer que l'entreprise est devenue... voilà. Hein. Pourquoi pas, dans certaines. Hein. Encore une fois, il y a un atelier à côté sur l'entreprise libérée. Il y a des mouvements hein, qui se créent. Il ne s'agit pas de les nier. Hein. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on va vers un soft management. Donc, en fait, le soft management, il va avoir pour objectif de continuer à contrôler les collaborateurs, mais pas par des procédures a priori contraignantes, hein, mais par le fait de les faire adhérer, d'aller les chercher dans leur dimension humaine, de voilà. Hein. En même temps, si ça leur fait du bien, que tout le monde est content, tant mieux. Hein, c'est pas, je ne suis pas en train de descendre ça à boulet rouge. Hein. Deuxième évolution importante, le fait de dire aujourd'hui, on n'est plus leader tout seul. Hein, et je vais vous montrer deux slides qui traitent ces deux questions. Hein. Donc, pour être à peu près clair, M. Zalesnik posait la question fin des années 70. Depuis, quand on prend l'évolution de la littérature, une première évolution concernant le leadership, la plutôt individuelle, d'un leader héroïque vers un leader plus humain et plus émotionnel. Et il y a des bouquins qui sont sortis récemment, y compris sur leadership spirituel, tout ça, c'est des questions que ça nous pose. Et ces questions, après, elles se posent à nous aussi, je trouve, en termes de pratique, comment on amène ça éventuellement avec nos clients. Et ça peut se poser aussi en termes d'éthique. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des pratiques de coaching? Est-ce qu'il n'y a pas des écoles? Est-ce qu'il n'y a pas des confrères, des consoeurs avec lesquels on travaille, dont on pense à un moment donné, à tort ou à raison, hein, qu'en allant sur ces questions de spiritualité, etc., la question de la dérive, hein, je n'ose pas la qualifier hein, de sectaire ou quoi que ce soit, ce n'est pas forcément ce que j'ai dans l'esprit, hein, mais de la dérive vers quelque chose qui serait ésotérique au sens excessif du terme, voire manipulateur, voire discutable, se pose. Hein. Et puis, deuxième évolution, pour rester cohérent, un leadership moins porté par un individu exceptionnel, mais beaucoup plus porté collectivement. Et ça, on le trouve dans la littérature nord-américaine et dans la littérature européenne. Hein, il y a quand même quelque chose qui est... Alors après, ce que j'ai fait, parce que je suis allé éplucher des référentiels de compétences de grosses boîtes, hein, et quand même, hein, ça m'a pas mal interpellé, mais ça s'explique. Donc, la distinction entre manager et leader, elle apparaît pas dans les référentiels de compétences, mais quand on les lit et qu'on les passe à la moulinette d'analyse de contenu, etc., en fait, on ne parle pas plus de manager, dans la plupart de ces référentiels, on parle de leader. Dans ce que j'ai analysé, il y avait juste une banque, une grande banque française, mais qui est née de fusion de banques mutualistes, etc., où on parlait encore de manager au sens traditionnel. Donc, en fait, dans les référentiels, vous avez référentiels de compétences managériales, mais on parle du leader, et plutôt du leader dans sa dimension quand même assez exceptionnelle. Ce qui peut mettre une pression folle. Hein, moi, je ne vais pas raconter mes coachings, mais j'ai vu un monsieur à une époque, en coaching, arriver avec le bouclette là, de sa boîte sur les compétences managériales, à mettre ça, il me dit, emportez-le chez vous si vous voulez, je ne veux pas le voir, ça me rend malade, c'est des horreurs, il va nous... voilà, hein, c'est... Ouais. Et donc, alors, la conception de leadership reste axée centrée sur la vision d'une personne exceptionnelle, je vous le disais, et nous, quel recul on a à prendre par rapport à ça, hein, c'est-à-dire que parfois, on a des gens en coaching, je ne veux pas rentrer dans la clinique du coaching, mais qui ont des complexes, qui ont des syndromes de l'imposteur, qui ne sentent pas leur place, etc. Déjà, si on les aide à rentrer dans leur fonction et à les occuper, à les habiter, à les incarner en une quinzaine ou 20 heures, c'est déjà pas mal. Est-ce que notre métier, c'est de faire à eux des gens qui ressembleraient à un idéal type? Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils en ont envie? Enfin, on n'est pas des magiciens, ce serait dangereux d'ailleurs, même à la limite. Hein. Donc voilà, après nous on a un boulot, je trouve, à faire avec les RH, parfois un peu de traduction, hein, de dire ok, je vais prendre monsieur ou madame Intel en coaching, voilà ce qui est marqué dans vos référentiels, voilà les objectifs,
En même temps, monsieur ou madame un tel a sa personnalité, a son histoire, et on ne va pas vous transformer monsieur ou madame un tel en une autre personne. Hein, alors, les RH, ils rigolent un petit peu quand on leur dit comme ça, hein, ça peut être dit tout à fait amicalement. Hein, mais voilà, nous, ne pas rentrer dans ce désir, hein, à tout prix, de produire des individus exceptionnels, parce que je ne suis pas sûr qu'on serve ni la profession des coachs, ni les personnes qu'on accompagne. Maintenant, je ne suis pas en train de prôner le fait de renoncer à aider des personnes à développer leur capacité ou leurs ressources, bien évidemment. Alors, quand on rentre dans les deux catégories, là, je me suis amusé à remuer des mots. Hein. Première catégorie, le moi leader. Donc, alors, c'est là que je suis venu profiter de la pause pour le réécrire. Bon, je vais vous dire ce qu'il y a écrit, puis je vous ferai passer. Figure du leader, prolongement héroïque de celle du manager. Hein. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec Zalesnik. Alors, ah si, ça va passer. Donc, différents types d'études, je les passe rapidement. En tout cas, sachez que ça existe. Donc, dans la figure du leader, prolongement héroïque de celle du manager, j'ai repéré différents types de travaux. Il y a des travaux par les grands hommes en leadership, hein, donc on va étudier Don Quichotte, enfin, vous voyez, des personnages comme ça, et on va dire le leader ou la leader, c'est celui ou celle qui a des traits communs avec ses... L'approche par les traits des comportements, là c'est plus, si je pose tel comportement, qu'est-ce que ça va susciter chez le collaborateur? Vous avez les théories XY de McGregor qui sont pas mal enseignées en théorie des organisations, si vous faites un peu de sociologie des organisations, qui rentrent complètement là-dedans. Hein, l'approche contingente et situationnelle est intéressante parce qu'elle dit on ne peut pas manager toutes les personnes de la même manière. Et notamment avec RC et Blanchard, il y a cette idée qu'en fonction du degré d'autonomie et de maturité des collaborateurs, certains auront besoin d'être encadrés de très près et d'autres auront besoin de beaucoup plus d'autonomie. Et donc, si vous avez des leaders très délégatifs, très à ne pas vouloir s'occuper des détails parce qu'ils disent que ce n'est pas intéressant, etc., ils vont laisser une partie des personnes de côté. Et alors ça, je trouve que c'est très intéressant, ce modèle, parce que nous, on peut s'en servir en coaching, pas pour parler de ça aux clients, mais il y a une vision transactionnelle du leader. Le leader est celui qui arrive à avoir des relations avec ses collaborateurs, qui va les nourrir et leur donner envie d'entrer dans un processus de travail et dans un projet. Eux sont centrés plutôt sur la relation. Et les leaders transformationnels, eux, c'est plutôt les visionnaires qui mettent au point des stratégies de rupture, qui avancent, qui arrivent à embarquer les troupes, et celles qui ne suivent pas, tant pis pour elles. Hein. Enfin, je caricature un peu. Hein. Donc, eux, beaucoup plus centrés sur la relation et sur les personnes, et eux, beaucoup plus centrés sur le projet de transformation des organisations. Ça peut être intéressant quand on a des dirigeants ou des cadres d'un certain niveau hiérarchique en coaching, de les aider à voir dans quelle zone ils sont le plus confortables et comment ils peuvent développer l'autre. Voilà, donc moi je ne vous pose pas tellement de théorie et pratique, hein, parce qu'on peut trouver des choses intéressantes. Après, ça c'est, donc là les dates, hein, c'est la littérature des années 90-70. 70-90, je commence à fatiguer. Là, la littérature des années 2000-2010, ce que vous n'arrivez pas à lire parce que c'est la même couleur que le mur, j'avais noté ça, du leader héroïque au leader sensible et humaniste. Hein, mais encore une fois, je vous le ferai passer. 2000-2010. Donc là, j'attire l'attention sur des écrits. Hein. Les auteurs, oubliez-les, c'est pas grave. On a une approche néo-charismatique, c'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, on avait laissé de côté un peu l'idée du leader charismatique en disant on a besoin de gens costauds, de gens qui connaissent les marchés, qui ont une culture entrepreneuriale, les beaux parleurs qui... ça, c'était pendant toute une époque, on tirait un petit peu à boulet rouge sur Monsieur Messier, hein, qui avait... au niveau de Vivendi, fait des acquisitions qui sont avérées par la suite un petit peu hasardeuses. Hein. Et donc, il y a eu un moment où les leaders charismatiques étaient un peu en place. Bon, alors là, j'ai mis une référence américaine de 99, il y en a eu d'autres plus tard en Europe. Et donc, on a un renouveau, hein, de fait du leader charismatique. Tous les travaux sur l'intelligence émotionnelle, hein, donc là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'en coaching, c'est très difficile de passer complètement à côté. Parce que maintenant, on a des prescriptions de coaching sur des cadres supérieurs ou même des dirigeants qui peuvent être faits suite à des 360 ou à des development centers dans lesquels on utilise des outils type MBTI et autres qui vont essayer d'aller chercher, hein, comment la personne est en contact avec ses émotions. J'ai reçu un rapport qui m'a fait effrayer à 5 ou 6 jours de e-consulting sur un dirigeant d'une boîte, 70 pages, mais
sur les compétences émotionnelles, il passe tout au peigne fin. Enfin, c'est devenu vraiment une industrie maintenant. Alors, on peut en coaching faire travailler les gens là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, voilà, on nous demande de participer à l'avènement d'un individu qui, s'il est plus émotionnel, aura une capacité d'impact sur les autres plus grande et donc pourra plus influencer, plus manager en transversal, plus. Et puis, il semblerait, moi je parle avec beaucoup, beaucoup de. Il y a eu un bouquin sur le manager intuitif qui a eu un succès fou en France. Hein. Voilà, qu'être en contact avec soi-même puisse rendre plus intuitif ou plus renifleur, entre guillemets, les tendances du marché. Hein. Donc, toujours ce lien entre des choses un peu humanistes et puis le fait qu'il faut que ça serve à quelque chose. Hein. Et enfin, dernier développement important, autour des approches spirituelles du leadership. Donc, ça, il y a une de mes consoeurs, Catherine Vallée-Fourbeau, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le leader spirituel, me semble-t-il, et dans lequel elle montre un petit peu tous les travaux qu'il y a là-dessus. Et les travaux sur le servant leadership, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est des travaux qui sont un peu vieux des années 70, et en France, il y a un type qui s'appelle Bellet, qui a pas mal remis ça au goût du jour. Et je vois ça apparaître dans beaucoup de conférences, y compris dans des formations de leadership, etc. Alors, le leader, pour ne pas aller trop vite, le leader spirituel, ce n'est pas spiritualité au sens religiosité. Hein. C'est un leader qui est relié à quelque chose qui le dépasse, hein, qui va se poser des questions plus transcendantales sur le sens. Hein, pourquoi on fait les choses, à quoi sert mon entreprise, quel est mon objectif, comment je peux le décliner sans vouloir que les autres s'approprient mon objectif à moi pour donner du sens à l'action. Et le servant leadership, c'est un leadership qui est au service des autres fondamentalement. Hein, de dire on n'exerce pas le leadership pour son ego, mais pardon, on l'exerce au service d'un collectif, et si c'est une entreprise, ce collectif porte un projet d'entreprise. Donc ça bouge quand même. Hein. Alors quand je prends les référentiels de compétences, je retrouve tous les trucs classiques, ça y est, il n'y a pas de souci, tout ça on le retrouve dans les référentiels de compétences des grandes boîtes. On commence à trouver des choses sur l'aspect, non pas spirituel, sur l'aspect émotionnel, y compris dans les référentiels de compétences des entreprises. Par contre, cette dimension spirituelle et le servant leadership, on ne le retrouve pas. Donc là, pour l'instant, on n'est plus dans le discours que dans la pratique, ce qui ne veut pas dire que le discours soit pas intéressant. Deuxième axe, et j'en ai fini avec mes slides. On ne voit pas l'aspect relié au sens, par exemple. Alors, le sens, on va le retrouver, oui, tout à fait. On va le retrouver à différents niveaux. Hein. Les leaders transformationnels, là, on est vraiment dans le leader porteur de sens. Hein. Donc, c'est celui qui a une vision, qui voit ce qu'il peut faire de sa boîte plus tard, qui embarque les troupes. Mais là, il y a un côté un peu marche ou crève quand même. Enfin, je caricature, c'est pas écrit comme ça dans la littérature. Mais qui même me suivent, voilà où je vais vous embarquer. Hein? Là, on est plutôt sens-vision. Dans ces approches-là, là, on est plutôt plus sur le sens hein, pour soi. Et puis en lien avec ce que vous mettiez en évidence, je trouve intéressant sur la RSE, etc. Fondamentalement, à quoi sert une entreprise? Dernière slide, et puis je conclurai juste quelques mots sur une chose que vous avez dite et qui est hyper, enfin que j'ai trouvé dans une de vos travaux et qui me paraît très intéressante à pointer. la partie plus collective. Alors, le leadership au pluriel, tous leaders, ça se lit pas, mais peu importe. Besoin de leadership à tous les niveaux de management, ça je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, le développement du leadership pour les managers, pour eux et les collaborateurs, ça rejoint des choses que vous avez dites sur le travail réflexif et sur le manager-coach. En même temps, moi, dans des grandes boîtes, je vois quand même des personnes qui ont des promotions bloquées parce que, dans leur entretien annuel, on leur dit « Tu as eu tant de démissions, un burn-out, tu n'arrives pas à développer tes collaborateurs, tu as 360 degrés qui est dégueulasse, et donc, il faut que tu corriges ça pour bouger. » Il y a des entreprises où ça passe. Il y a des entreprises où ça passe. Hein. Mais il y en a d'autres. J'ai vu ça notamment dans beaucoup de boîtes américaines qui utilisent aussi les sondages Gallup hein, sur pas l'ambiance, mais le climat de travail, la motivation, etc. J'ai vu vraiment des managers barrer dans leur carrière parce qu'on leur disait, c'est pas comme ça. On ne peut pas vous laisser passer avec un Gallup pareil, c'est pas possible. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein, mais... alors, le leadership au pluriel. Là, c'est tous les travaux sur le leadership partagé et distribué. Alors, vous voyez que là, c'est beaucoup plus récent. Hein. Là, on est vraiment dans les années 2000.
Cette idée, mais elle ne tombe pas de Mars, hein, c'est une idée qui est quand même très liée avec les collectifs transverses, les groupes projets, et ce que vous évoquiez sur les réseaux, etc. Hein, le fait que maintenant, une personne qui décline des directives, l'organisation de plus en plus ne fonctionne pas comme ça, et donc il faut arriver à faire porter le leadership par plus de personnes. L'automobilisation et le self-leadership, c'est ressorti chez Pew, hein, qu'on retrouve dans la littérature, de dire si on veut que chacun contribue au leadership collectif, il faut que chaque personne soit dans des logiques de développement de son propre leadership et de réflexivité. Nous, concrètement, je pense que on a des demandes sur des groupes de codev, alors parce que le codev c'est du coaching, on a fait passer 3 heures là-dessus, hein, ou de coaching individuel en groupe, ou d'analyse de pratique, appelez ça comme vous voulez. Hein, toutes ces situations où vous allez mettre des personnes qui ne bénéficient pas d'un coaching individuel en réflexion collective pour essayer de les mettre en réflexivité, qu'est-ce que je fais dans cette situation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui tient à la situation, qu'est-ce qui tient à moi et comment je pourrais faire autrement, on est déjà dans des processus d'apprentissage de la réflexivité. Et enfin, je laisse le mot final à ce cher monsieur Mintzberg. Lui, il parle de community ship, et lui, donc, il est vraiment sur, je ne sais plus ce qu'on a trouvé tout à l'heure, sur cette idée de démocratie et qu'il faut libérer. Alors, il rejoint un petit peu le fameux Hamel, Gary de son prénom. Et lui, quand même, attire notre attention. Il dit, c'est pas pour autant qu'il faut supprimer les leaders individuels. Hein, et une entreprise qui va bien fonctionner, une organisation, c'est une organisation qui va trouver un bon équilibre entre l'expression individuelle du leadership et l'expression collective. Et sincèrement, dans tout ça, on a plein de belles choses à faire, hein, en tant que coach. Juste un dernier mot, parce que je n'ai pas fait durer là, mais c'est ressorti. Bien évidemment, qu'il y a toute la dimension QVT, prévention des RPS, etc. Hein, un bon leader, fondamentalement, c'est quelqu'un, en tout cas c'est ce qui est en train de passer, qui va instaurer des collectifs où on ne se rend pas malade, si je caricature. Hein. Et là, je vous montre juste ça, puis je ne vais pas aller au-delà pour qu'on ait 10 minutes d'échange. Hein, le manager, là j'ai noté le manager, leader et le care, au sens anglo-saxon. Alors, au-delà des émotions et de la spiritualité, on voit apparaître vraiment beaucoup de choses sur la responsabilité de la santé au travail, la prévention des RPS et la qualité de vie au travail. Et récemment, j'ai lu un bouquin qui n'a pas été traduit, mais qui peut être traduit, qui est quand même assez édifiant. Un bouquin américain, enfin édifiant parce qu'il va chercher. Hein. Il y a beaucoup de livres où on dit c'est important que le manager ou le leader fasse du care parce que pour des raisons de RSE, pour des raisons aussi, bon, on ne peut pas envoyer les gens en burn-out dans RPS, il faut prendre soin de la qualité de vie au travail, etc. Et là, care tout d'ailleurs, c'est assez. Ce qu'ils écrivent est complètement pour nous, Européens, quand même surprenant. Parce que vous voyez le sous-titre de débloquer hein, des potentiels qui ne sont pas exploités à travers Secure-Based Leadership. Alors, le type qui a écrit ça, en fait, il va dans la psychologie de l'enfant et comment un bébé prend confiance dans la relation avec sa maman. Et il dit que si les managers, la théorie voilà, de l'attachement, si les managers arrivent à mener du care comme ça dans la relation avec leurs collaborateurs, ils vont faire des collaborateurs qui vont oser. Donc, en fait, c'est je te materne pour que tu sois audacieux. Mais ou je te paterne, enfin voilà, je prends soin de toi. Je voilà. Parle la langue qui te touche. C'est formulé dans le bouquin, c'est vraiment je prends soin de toi au sens, mais pourquoi pas, hein, pour te rendre audacieux, c'est-à-dire pour que tu oses faire des choses pour l'entreprise. Alors tout ça, je vous le donne un peu en conclusion parce que c'est des choses auxquelles on va être confronté. Et moi, sincèrement, dans ce que vous avez sorti de vos productions, hein, il y avait le numérique, la transversalité, l'agilité, le bien-être, la QVT, le management à distance, la coopération. Alors après, là, on est sur les tensions, coopération versus compétition. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, là, si on se prend 5-10 minutes pour avoir des échanges globaux sur ces évolutions pour ouvrir hein, éventuellement l'espace de discussion. Parce qu'il y a des évolutions que vous évoquez. Qu'on retrouve là. Il y a la réalité. Il y a oui. Quand même un gap. Quand même, nous interroge. Oui. Et vous l'exprimeriez comment, le gap? Comment vous l'exprimeriez, ce gap, concrètement, entre quoi et quoi? Ça ressemble un peu à des intentions paradoxales. Oui. Parce que je pense que c'est mal.
Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'injonction paradoxale, hein, effectivement, où on dit il faut que tu deviennes protecteur, il faut que tu développes du sens à travers de la transcendance, que tu sois en contact avec tes émotions, etc. Mais en même temps, il y a les petits tableaux de reporting, voilà. Hein, donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas évident. Moi, j'ai quand même eu, mais je suis sûr que vos clients vous l'ont sorti, ça, des petits, je pense à un monsieur notamment assez récemment qui me disait, je fais quoi ? Hein, si je veux sortir les 25% de croissance, je suis obligé de foutre la pression aux gens. Et si je ne leur fous pas la pression, et je vais me faire allumer sur le CAIR, la QVT, machin, etc., je vais me faire passer au pilori. Et si je fais du CAIR ou de la QVT, je me fais virer parce que je n'aurai pas les 25%. Et on nous ramène ça en coaching. Hein, voilà, donc là, on est effectivement en plein dans l'expression. Hein. Après, moi, il y a quand même une chose qui m'interpelle pour des raisons plus cliniciennes, je sais pas, enfin plus cliniques, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il ne faudrait pas quand même qu'on devienne des agents au service du développement de l'idéal du moi et du faux self au sens dangereux du terme quand même. Hein. Parce que un coach qui se dit avec mes techniques, je me mets dans le tapis évidemment, hein, de réaménagement cognitif, de un peu systémie, enfin nos outils, hein, le mec ou la nana, je vais arriver, on se le dit jamais comme ça, hein, mais je pense que je vais arriver à le faire un peu rentrer dans le, pas dans le moule, mais bon. Déjà, on a des personnes parfois qui peuvent avoir des formes de fragilité psychologique parce qu'elles sont très dans le désir de leur entreprise, hein, et de répondre aux attentes qu'on leur adresse. Comment nous, on peut faire à la fois pour essayer de les consolider si on peut, hein, d'un point de vue un petit peu narcissique, d'un peu de leur personnalité, pourquoi pas les aider sur ce chemin, hein, qui serait de monter en compétence, si on l'exprime comme ça, etc. Mais en même temps, de ne pas rajouter de la gonflette narcissique et de l'idéal du moi qui ne serait pas très stable, parce qu'après, c'est les premiers qui sont candidats au burn-out, hein, quand ça ne marche plus. Hein. Voilà, et comment on peut faire à quelqu'un pour dire, ben voilà, moi on va bosser là-dessus, vous allez avancer, vous allez voir, mais en même temps, vous n'êtes pas un surhomme, et moi non plus. Et il y a des moments où ça ne marchera pas. Enfin, voilà, moi j'ai des questions, j'ai aucune réponse. Vous êtes dans le même dilemme que le manager. C'est-à-dire, je fais le travail, je suis payé. Oui, oui. Ou je ne le fais pas parce que ça pose un problème de conscience et je ne suis pas payé. Je vois souvent la difficulté de d'aligner l'objectif de l'entreprise et l'objectif du client, l'objectif du coaching. C'est vraiment difficile parce que si l'entreprise a comme objectif de faire monter en force, en puissance, en capacité, etc., et que le client, ce n'est pas sa demande. Alors voilà, là il y a un cas, il y a le fait que le client, alors ça peut exister, que ce soit pas la demande du client, donc là il y a un travail à faire effectivement sans doute sur les tripartites et ce qui se passe avant, et après moi je continue chaque fois que je peux, hyper modestement, hein, à faire le plus de pédagogie possible avec les RRH. Hein. Alors certains ont une culture un peu psy et tout, et ils le voient bien. Avec d'autres, il faut leur expliquer qu'un individu qui a quelques résistances au changement, c'est qu'il se porte bien psychologiquement, qu'on n'est pas de la pâte à modeler, que quand on vous change vos lignes de reporting et vos organisations tous les 3 mois, ben c'est normal qu'au bout d'un moment, vous soyez un peu paumé. Voilà, donc, on en est là, toutes et tous, hein, de dire quelle mission je prends, je ne prends pas, mais en même temps, il faut bien que je fasse mon chiffre d'affaires. Quand je prends une mission, comment je peux la poser en prenant soin de communiquer avec les RH et les prescripteurs pour essayer de ne pas leur vendre non plus du rêve et des choses qui... Voilà. Comment on fixe des objectifs, qu'est-ce qu'on met dans le contrat, mais par contre, ce sont des vraies questions. Et quand même, ce que disent c'est toutes ces slides et vos productions, là, c'est que on va quand même vers une... moi, je ne sais pas quelles sont les évolutions du management. Enfin, si, on a des idées quand même, hein, mais c'est très difficile de les lister de manière définitive. Mais on cherche quand même des personnes de plus en plus qui non seulement soient bonnes techniquement, mais qui soient stables émotionnellement, qui aient une forme d'affirmation de soi, mais qui ne soient pas agressives, hein, mais plutôt dans l'assertivité. Voilà, donc on cherche quand même des moutons à 5 pattes. Et nous, on fait partie de ce process, qu'on le veuille ou non. Hein, voilà, on y est embarqué. Et donc, jusqu'où on y est embarqué, jusqu'où... Il me semble qu'il y a une autre... Ouais. Avant, on faisait des
Ça, c'est une évolution, c'est vrai. Alors après, moi, j'ai deux questionnements là-dessus. C'est, est-ce que c'est vraiment du discours ou est-ce que c'est sincère? Hein, oui, on fait du coaching individuel, mais en même temps, si quelqu'un était déviant par rapport à la norme, entre guillemets, est-ce que, bon, ça dépend des boîtes. Et après, effectivement, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein, mais par contre, oui, on va plus agir au niveau de la personne. Hein. Au niveau des organisations, mais avant, il y avait une seule façon d'être bon et d'être efficace. Il y a quand même cette évolution. D'accord. D'accord. À chacun son talent, mmh. C'est intéressant ce que vous dites parce que effectivement les contextes sont à prendre en compte énormément et y compris d'ailleurs dans ce qu'on fait en supervision, etc. Enfin, ça peut pas être centré que sur la psychologie individuelle. Alors, c'est important, hein, la psychologie individuelle, hein. Mais bien évidemment, les attendus du contexte sont importants. Écoutez, je vais vous remercier chaleureusement d'avoir participé à cet échange. Je suis un peu frustré parce que on aurait pu faire encore un tour et discuter. En tout cas, voilà, on a discuté entre collègues, on s'aperçoit qu'on a des questions qui se rejoignent, des représentations qui sont différentes, mais sur lesquelles on retrouve des choses qui collent bien avec ce que racontent les universitaires. Donc, voilà, on peut pas, me semble-t-il, en dire beaucoup plus au jour d'aujourd'hui en novembre 2015 sur ces questions d'évolution du management, mais il y aurait sans doute bien d'autres discussions à avoir. Donc, merci et à bientôt. Voilà, et là, on a une petite collation avant de passer au dernier round. C'est une sorte de norme qui se fait, et on est un être humain à côté de ça. Et donc, notre rôle, c'est bien. Et je suis d'accord pour toi. Oui. Voilà, le rôle, enfin, c'est effectivement de ne pas en remettre une couche. Et de dire au type, peut-être qu'à la fin tu ressembleras pas exactement comme ton âge, mais tu auras fait une chose que tu pourras faire de bien. Enfin voilà, c'est toujours sur cette marche qu'on trouve des sensations possibles. Je suis ça dépend de où vous voulez aller. Je vous donne ça. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des échanges. On a monté l'université du management, ça fait un an, donc on voit beaucoup de sujets. Chouette. Bon, mais t'as mis. C'est pas évident, hein, 2 heures d'aborder ces questions. Merci bien. Et puis à une prochaine. Bon, ça y est, mission accomplie. Oui, voilà. Tu retournes. Ben non, je vais faire encore un compte rendu. D'accord. Le CRS, ça, c'est une bonne idée. Oui, oui. Ouais. Bah, surtout sur les sujets qui, où tout le monde a un avis. Voilà, je vais définir la présentation, à mettre les procédures. Je vais faire les consultations, je vais m'y arriver là-dedans. Je vais dire que j'arrive, je vais reprendre les trucs. Merci. Voilà, et là on n'a pas eu le temps de trop l'exploiter, mais quand on les fait courir, enrichir, etc., ça peut être super sympa. C'est bien de faire une démonstration. C'est une belle émotion, c'est une bonne émotion. Ouais.
si cette frustration peut permettre d'avoir envie de continuer à réfléchir, etc., ça... Tu pratiques le coaching? Non, je suis, enfin, si on veut, je suis formateur. Formateur. Et sur des problématiques de violence et de radicalisme. Voilà. Ben, je viens de Bruxelles, enfin, je vis et travaille à Bruxelles, ouais. Et vendredi, je donne une formation sur le radicalisme. Enfin, c'est le moment. Hein. Bah oui. Et tu continues à avoir une activité universitaire, c'est ça? Ouais, je suis dans un groupe de recherche. D'accord. Et sinon, je suis prof dans une école de commerce. Ok. Là, mais je fais plus de parole en public, négociation. Ah oui, c'est ce qu'on évoquait. Ouais. Mais à la limite, c'est pas mal qu'on puisse échanger nos cartes, parce que moi, dans le département que je dirige, dans mon école d'ingénieur, j'ai parfois besoin de collègues avec qui avec puisse intervenir là-dessus. Je peux faire des ateliers sur tout ce qui est prise de parole en public. Je fais beaucoup l'intelligence émotionnelle, mais ça, maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font aussi. J'utilise des exercices de rhétorique antique. Ah, est-ce que je vais voir si je peux une carte universitaire, mais je n'ai pas. Mais de toute façon, je te contacte pour. Mais c'est rendu. Super. En échangeant nos coordonnées à ce moment-là. Ouais. Génial. Merci. Je veux bien juste. Je vous en prie. C'était un moment. Moi, j'aime bien. C'est sympa d'échanger, de partager, puis de. Mais je trouve que c'est. De faire mourir. Juste. Vous avez choisi d'avoir de revenir aux fondamentaux. Ouais. Au livre de base. Je veux bien juste un mail. Alors, je te le note. Voilà. Si, j'espère avoir bien écrit, mais sinon il y a un moment sur le programme, et c'est adjamais.com. Super. C'est la plus simple de. Et c'est une très bonne idée de faire penser, puis après organiser avec des références théoriques. Ouais, parce que les publics, c'est normal, le professionnel, si tu balances des trucs comme on le fait nous avec l'année, la référence ouais. Et tout. Ouais. En même temps, ils ont envie, hein, c'est pas du tout. Donc, il faut trouver un moyen pour que ce soit amené au bon moment. Il faut amorcer la pompe et après donner des concepts qui affinent la réflexion. Non, puisqu'il est intéressant, c'est que finalement, une dirige cohérente avec ce qu'on dit dans la profession, etc. On le parlera tout à l'heure, mais bien sûr, quand il va se faire. Il y a un téléphone là. Est-ce que ce serait ton téléphone? Oui, en fait, c'est pas le mien, mais j'en ai besoin. Merci beaucoup. Tu peux le laisser là-bas ou pas? Non, je vais le garder. Merci beaucoup. Peut-être un ou deux à absents. Mais oui, il en manquait un peu. En fait, donc il y a d'autres personnes qui sont venues me voir après en me disant qu'ils en avaient besoin de. Je connais les cinq choses.
prendre des ateliers, toi, ou pas? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux voir? Là, j'ai des ateliers de Patrick, Amar et Vincent. Ouais, j'ai le programme. On va pas te... Ah non, je sais pas. C'est qui? Non. C'est pas super grave, hein. Je peux en garder une si on me demande au cas où. Ouais, voilà, ça au cas où. Est-ce que tu sais où est l'atelier de Amar? Oui, là. Ouais, ça va être la réponse. Je vais venir. Merci. Je vais voir arriver. C'est parfait.
de parler. Il y a plein de logiques qu'on peut former les gens à ça.
faisait des processus originaux pour pas passer ça. Mais j'ai réfléchi là-dessus il y a pas longtemps. En fait, on a beaucoup de chance parce qu'il y a 10 ans, on pensait que les sciences humaines et les qualités qui vont avec les sciences humaines, bah, ça y est, c'est fini. Et en fait, il y a un retour de bâton. En fait, finalement, bah, on ne va pas s'en sortir avec des masques. Quoi. Mais...
chouette. J'adore les pointures.